Salut les amis, JC Canal Olympien. Donc, nous sommes le 26 mai, il est minuit et des brouettes. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour exprimer ma joie et la joie de tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, c'était le 26 mai 1993 que l'Olympique de Marseille allait dépuceler le football français. Tout ça grâce à un homme. Monsieur Bernard Tapie, qui a marqué le football français de son empreinte. Il nous a permis à nous, les Marseillais, de devenir les rois du monde, les rois de l'Europe. Donc je voulais déjà tirer mon chapeau à monsieur Bernard Tapie de nous avoir donné cette fierté, cette étoile que tant de clubs en France nous envient. Cette étoile qui a suscité, on va dire, pas mal de jalousie. Cette étoile qui a malheureusement fait détruire cet homme, où beaucoup de monde l'ont détruit après cette victoire de 93. Mais nous, les Marseillais, on lui restera vraiment reconnaissant à Monsieur Tapie. D'ailleurs, vous avez vu cet après-midi qu'une la place devant le parvis Jean Bouin sera nommée à son nom. Il y aura aussi une statue avec le boss. Donc tout ça, c'est largement mérité. Demain, les supporters de l'Olympique de Marseille vont faire une chaîne humaine. Je crois qu'il y aura plus de 8 000 fumigènes qui vont être allumés. Donc, ça va partir de Marseille, donc du côté des ports jusqu'au Goude. Donc, 8 000 fumigènes qui vont être craqués au même moment. Une fête inoubliable. Voilà, les amis. Donc, moi, je voulais juste vous dire, on est fiers d'être Marseillais. On est fier de porter ces couleurs bleues et blanches. On est fier d'être tous unis derrière cette équipe, derrière ce club qu'on aime tant tous, ce club qui nous fait tant disputer, parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes avis sur certaines choses. Mais le seul truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on supporte tous ces couleurs. Donc, arrêtons de nous disputer pour des conneries. Soyons fiers d'être Marseillais. Soyons fiers de notre équipe, de notre palmarès, que tant d'équipes nous envient. Donc les amis, aujourd'hui on est le 26 mai, on va fêter cette victoire. On va dire qu'il y a 30 ans en arrière, on n'était pas encore champion d'Europe, hein. On n'arrivait pas à trouver le sommeil justement parce qu'on se disait, putain, ce soir il y a la finale. Mais quelle finale! Quelle finale fabuleuse! Quelle finale où Fabien Barthez sauve l'équipe à plusieurs reprises dès le début du match. Et cette tête libératrice de Basilou à la 43e ou 44e minute, une tête qu'il est allé chercher d'une puissance, il s'est élevé au-delà de cette défense milanaise et nous a permis à nous, Marseillais, d'être champions d'Europe et d'être sur le toit de l'Europe. Voilà les amis, soyons fiers de notre équipe, soyons fiers de notre club, soyons fiers de notre ville qui est souvent salie par les jaloux, par les haineux. Mais nous, en tous les cas, aujourd'hui, on fête les 30 ans de notre Ligue des Champions. Quoi qu'on en dise, certains ils vont dire, ouais, mais les Marseillais, mais vous vivez dans le passé. Mais on s'en fout de vivre dans le passé. Parce que le passé, on appelle ça le palmarès. Et nous, l'étoile, on l'a pour toujours et à jamais les premiers. Voilà. Et après, je voulais revenir un peu. C'est vrai que, il y a beaucoup de disputes en ce moment avec l'OM, avec la génération des jeunes. Les gars, soyez patients, soyez patients. C'est vrai que certains, vous avez 30 ans. Et vous n'avez pas connu de titre. Mais ça va venir, les gars, ça va venir. Ça va venir. C'est vrai que souvent, il y a un conflit de génération entre les mecs comme moi, qui avons plus de la cinquantaine, et les jeunes qui n'ont jamais gagné de titre vraiment référence, on va dire. Et voilà, donc soyez patients, les amis, ça va venir. Vous allez voir, notre équipe, elle va reconnaître, elle va connaître à nouveau, dans quelques temps, les sommets européens. Et vous allez vous aussi soulever des belles coupes. Les gars, soyons tous unis derrière notre Olympique de Marseille. Les amis, allez l'OM, soyons fiers d'être Marseillais. Et voilà, tous unis contre tout le monde. Et allez l'OM, les gars. Merci, merci Bernard Tapie, merci le boss. Et allez l'OM, merci en ce 26 mai 2023. Allez l'OM, les amis.